Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment euh, configurer son compte pour le retrait. Parce que c'est très important. Quand on dépose rien quelque part, il faut euh, avoir moyen pour le faire retirer. Nous allons d'abord commencer pour ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest, qui sont en Côte d'Ivoire et tout ça. Voilà, et qui utilisent des CFA, qui veulent faire les retraits par mobile money. D'accord Pour ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest, c'est possible. Mais ceux qui ne sont pas à l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas possible. Vous venez tout simplement ici, vous voyez où c'est banque là. Regardez, si vous cliquez là, c'est une autre. Là, c'est UED ici. Vous, vous rassurez que vous êtes en banque ici. Dès que vous êtes en banque, vous venez ici. Ajoutez une carte bancaire. ok? Ce n'est pas les cartes bancaires comme carte bancaire début, non. C'est pour ajouter vos numéros moins money. Vous cliquez sur plus ici. Okay? Dès que vous cliquez sur plus, voilà une fenêtre qui s'ouvre. Dès que la fenêtre s'ouvre, qu'est-ce que vous faites On dit ici quoi Nom du compte. D'accord vous pouvez mettre MTM. Si vous voulez utiliser MTN. D'accord? Hum? Excusez-moi. MTN. D'accord? Et ici, maintenant, on dit nom de la banque. OK? Vous pouvez également ici, nom de la banque. Comme ici, dès que vous cliquez là, regardez. Dès que vous cliquez, regardez ce qui sort. OK? Si vous êtes euh, dans la zone où vous utilisez le CFA. Je conseille de prendre Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, ça s'affiche automatiquement. Ici, si, numéro donc de compte. Là, vous mettez votre numéro MTM. D'accord Je prends l'exemple. Ça peut commencer par 0, 7, 7, 7, 8, 8, 8 9. Ça, c'est un exemple. OK Et on dit ici également Banque du, compte du. Vous mettez encore le même numéro. 0 7 7 7 8 8 8 9 9 9 5 5 Là c'est l'exemple. Ça c'est un exemple que je prends. Et là, ok. Prévision du, de la banque du. D'accord. Vous pouvez mettre peut-être Abidjan. Ok. Vous mettez peut-être Abidjan. Et ville, vous pouvez mettre encore Abidjan. D'accord Là, c'est un exemple. Ok Parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, ici en bas, ok, remarque, vous n'êtes pas obligé. Dès que vous finissez, vous venez vous cliquer dans sur Confirmer. C'est validé. Moi, je ne vais pas confirmer parce que je vais prendre l'option USDT. Ok, nous partons sur l'option USDT. Option USDT, vous venez cliquer sur USDT ici. D'accord Vous venez ici, vous cliquez sur « Plus ». Il y a ajouté tout ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, si vous mettez donc, ici, on dit nom du portefeuille. Vous pouvez mettre votre nom. Vous pouvez mettre Binance. Vous pouvez mettre Trust Wallet. Quelqu'un peut mettre Trust Wallet, Binance, tout ça. Par exemple, Binance. Ici, si on dit protocole sur le. D'accord? Protocole sur le. Sur la, la vertu des pièces, vous pouvez mettre UADT. dès que vous cliquez, UADT sort. Voilà, ça, vous cliquez sur ça. D'accord. Ici, maintenant, l'adresse de portefeuille. Je vais dans mon Binance. Je n'ai pas cherché l'adresse de portefeuille. OK. Ici. Il vient sur dépenser. OK. Excusez-moi. Possible et choisir UEDT. Je me rassure que c'est tr 7 Ça, je clique sur ça. D'accord. Je tente que ça charge. Je copie l'adresse. Je retourne donc dans BitKink ici. Je colle l'adresse et ici je mets mon numéro de téléphone. Ok. Mais c'est bien de commencer avec le numéro de votre pays. OK? Voilà, je mets mon numéro de téléphone. Dès que j'ai fini, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique donc sur configurer. Vous voyez un peu? Voilà. C'est bon. Dès que c'est bon, maintenant, c'est prêt pour le retrait. OK? Comme ici, maintenant, c'est prêt pour le retrait. Maintenant, pour le retrait, quand vous voulez faire le retrait, maintenant, venez seulement ici. Et y a aussi le code, hein, le code de toutes tout ces choses-là. Parce qu'on va demander le code de retrait. Vous mettez justement le code que vous avez rappeler et vous, vous configurez. D'accord Voilà. Donc, euh, je crois que c'est voilà comment faire pour configurer son compte pour le retrait. J'espère que c'est clair, les gars.